Les artistes ont un regard particulier et ne connaissant pas du tout le fonctionnement des enfants, il est allé les chercher à des endroits où le soignant ne pense pas forcément à aller. Il leur permet d'exprimer quelque chose de différent qui était caché. Faire du théâtre, ouais, parce que c'est vrai que c'est pas facile, t'es dans un fauteuil. Avant le théâtre, je m'énervais beaucoup, c'est vrai, j'arrivais pas à mettre des mots sur ce que je ressentais. Maintenant, j'arrive à mettre des mots, à être de plus en plus clair avec ce que j'ai envie de dire et ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Donc le théâtre, ça m'a bien enveloppé, on va dire. Faire à mesure des séances, je me suis senti mieux dans ma peau, j'arrive mieux à me canaliser. Je vois ce que tu veux dire, mais tu vois, l'amour impossible pour moi, tu crois que il est devenu possible. Que je puisse sortir avec un homme ou une fille. Je me rappelle même plus. Un dinosaure. Et il correspond presque à mon truc. J'ai oublié. J'oublie tout. Là. J'ai même oublié le prénom de ma femme. Oh. Il y a 5 ans qu'elle est partie. Ça, c'est pas beau. Je le sais. Je le sais, je me le dis à moi-même. Il n'y a rien à faire. Je... Voilà. Même pas que je me le dis. J'oublie tout. Tout vos frères. J'oublie tout. Tout vos frères et dur. Août 2015. Un placard sans contenu. Ce monsieur, sa chevelure. Sa main explorant la penderie, cherchant sa tenue. Celle que j'allais photographier dans le décor que j'allais créer dans une partie désaffectée de l'hôpital. Cette zone en travaux, en fin de vie avant de renaître dans une autre peau. J'ai suspendu la chemise à carreaux. J'ai éclairé puis immortalisé sur le papier. Me voilà de retour, 6 mois plus tard, dans la même chambre. Celle de monsieur, parti pour me laisser la place, installer mon décor pour cette semaine où j'allais recevoir celles et ceux dont j'ai pris un cliché de ces reliques sociales que sont les vêtements. Seul, ce monsieur ne pourra répondre à mon invitation, de mon envie de faire rentrer un peu d'extérieur dans ces murs. Il est passé de l'autre côté, dans cet ailleurs que je ne devine pas. Le temps a été plus rapide que moi. C'est sûr, si tu dis l'art contemporain, ah ben, c'est un peu n'importe quoi. Hein. Mais quand tu cherches au bout de toi-même, dans l'âme de toi-même, eh ben, tu dis, ouais, c'est super. Hein. J'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à dire ce que j'avais envie de dire.